Cheesecake, crumble, clafoutis, crème brûlée, mousse au chocolat. 40 000 desserts sortent quotidiennement de l'atelier de production Marie Morin, installé à Quessoy. Créée en 1987 pour le négoce de produits fermiers par Alain et Marie Morin, la petite entreprise familiale s'est lancée 5 ans plus tard sur un marché bien particulier, celui des desserts individuels haut de gamme. La stratégie principale chez nous, chez Marie Morin, c'est vraiment la qualité du produit. C'est aussi travailler avec des agriculteurs ou des entreprises proches de chez nous, le plus proche possible. Notre lait bio, puisqu'on fait des yaourts biologiques, provient de Bretagne directement de la ferme. Notre lait conventionnel également, notre lait de vache conventionnel. Notre lait de chèvre vient d'un petit producteur du centre Bretagne. Dans un secteur archi-concurrentiel, dominé par les géants du dessert lacté, Marie Morin fait figure de petit pousset, mais tire nettement son épingle du jeu. Éric Morin, fils des créateurs de l'entreprise et pâtissier de profession, c'est lui qui a créé toutes les recettes de la marque, une quinzaine au total, dont le dessert phare de Marie Morin, la mousse au chocolat à l'ancienne, qui représente à elle seule 45% du chiffre d'affaires. Des produits que l'on retrouve essentiellement dans les rayons des supermarchés. Nos principaux clients sont toute la GMS, c'est-à-dire toute la grande distribution française et européenne pour certains pays comme la Belgique et la Suisse. Pour s'implanter en grande distribution, on a amené un produit différent, un produit dans une niche, un produit haut de gamme, qui est devenu une niche plus grande par les années. Et nous restons aussi sur notre principe de qualité et de simplicité. Une stratégie qui marche puisque Marie Morin affiche 9 millions de chiffres d'affaires en 2012. L'entreprise fait travailler 40 salariés. Elle est régulièrement sollicitée par d'autres sociétés qui aimeraient pouvoir utiliser sa chaîne de production. Mais pour les dirigeants de l'entreprise, pas question de préparer autre chose que des produits Marie Morin sur ses machines. Ce qu'on nous dit souvent, ça va être vous allez faire tourner vos machines et tout ça, alors que nous, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de travailler, de faire des produits de qualité, et c'est pas de faire tourner une usine à plein régime. L'important, c'est la qualité, c'est tout. Marie Morin préfère se tourner vers la création de nouveaux produits novateurs et originaux. Le yaourt au lait de Buffalone, par exemple, le cheesecake aux fruits de la passion ou l'amandine aux poires. Les consommateurs en redemandent puisque la petite entreprise familiale vient d'agrandir ses locaux et a embauché 8 personnes depuis août 2012.